Bonjour à tous et ouverture d'un colis, d'un beau colis, quand ça rentre pas dans la boîte aux lettres, et eh ben ça rentre quand même. Hop! Et on va donc procéder comme je peux à l'ouverture, parce que du coup il est un peu défoncé là. Voilà, on va vous la faire comme ça. Je peux pas faire autrement. Et c'est le Mortal Ruins, on a le 51, le 50, le 49. 48, le je sais pas quoi qui est... Ah mais c'est... en plus il y avait le premium dedans, heureusement que je me suis pas fait tuer. Et un machin et l'eau fraîche. Et donc bah un truc et l'eau fraîche, hein, c'est toujours sympa, on va voir ce que c'est. Donc ça c'est énorme, c'est le premium. Bon il est fermé, je sais pas si je me suis rien fait piquer dedans. Les clans guerriers Orocs. Le 48, de potenture pour le 49, le 50 du décor et le 51. Allez, le premium. Donc, on a pas mal de grappes et un pot de peinture. Les clans guerriers Orucs, ou Orocs, comme vous voulez, méga boss. Putain, j'adore hein, parce qu'on est vraiment dans l'orc de base. Voilà, ça fait penser un peu à Warcraft, les brutes, les chamans, guide d'assemblage. Hop. Quelques petites pièces, hein, faut faire attention de ne pas les perdre. Hein. Le guide de peinture qui commence à être franchement conséquent. C'est vrai quand on lise comme ça, ça fait. Ça peut faire peur, ça fait un petit paquet, on se dit voilà ouais, tout le boulot qu'il y a à faire. Faire des brutes, peindre les socles. Les éclaircissements, fumée chamanique, méga boss, la fiche, le chaman et les brutes, la crypte de l'orage, un petit scénar avec une petite planche, là, super jolie. Et le premium final, ça sera le numéro 4, ça sera ah, putain, l'armée que j'adore, les lames de corne. Et donc là-dessus, ah ouais, il y a plein de petits trucs. Alors, j'ose pas l'ouvrir pour pas les paumer en fait. Attends, déjà on va essayer ça. Donc c'est toutes les petites pièces. Vous pouvez voir les détails, regardez avec les armes. Pas mal de choses. Et après il y a une grande grappe, une deuxième moyenne et 1, 2, 3, 4 petites. Avec les flammes chamaniques, etc. Et un pot. Iriel, yellow et des socles. Et on va faire le 48. Ouais, je m'excuse pour le premium, j'ose pas l'ouvrir, mais faut que je range les pièces avant pour éviter de les perdre. C'est pour ça que je les laisse dans le sachet. Et là, donc, on a le 48 qui va se constituer de trois grandes grappes. D'une grande grappe, pardon. Regardez ces détails de fou furieux. Regardez le socle. Hein. Magnifique. Hop. Pour Ray Connor. Le sombre chantre. La croix spirale, le sombre chantre. Aprofauche. Qui la ronce, habillée cloche, bougie de cadavre, elle éthérée, sabot fantomatique. Super. L'arme de corne. Hammer Olgira. Ah c'est bon là, il y a un bon background là sur les démons, les mortels, les sangliers. Sur les lames de corne qui m'intéresse beaucoup. Le guide d'assemblage. Le guide de peinture. Où là on peut obtenir franchement une très belle figurine. Elle est magnifique hein, cette figurine. Hein, 48, vous pouvez aller regarder au final ce qu'on peut obtenir. Sa fiche. Charge d'unité. Le Ray Connor, le sombre chantre, avec ses aptitudes, essence de Ray Connor, essence d'une victime, et un petit scénar, le faucheur Saba. Et le 49 et 50 que l'on va voir tout de suite. Le numéro 49, un numéro avec Dopo. C'est le numéro que j'aime pas, mais logiquement il y a une petite fiche derrière. Voilà. Alors, la guerre des ombres.
On va avoir une petite fiche intéressante, j'espère. Morati, Lulu. Voilà la convergence de chakras. Chadrak, pardon, je vais pas le dire. Super bon. Moi, ça va parce que j'aime beaucoup les cartes et le background. Donc, quand j'ai ça, c'est bon. Ça me raconte de belles histoires. Le haut des dolmens. Donc, ça compense le fait qu'il n'y ait que deux peaux. Hein. La guerre des ombres. Malerion. Et pas Malfurion. Pour ceux qui connaissent. Allez. Ah oui, des peaux, pardon. Donc, on a le layer, l'administrant Grey. Bon, ça sera très bien pour la recharge. L'autre, le White Scare. Allez, 49. L'administrateur et White Scare, les seigneurs de la tempête. Magnifique. Malfaisant. Nagash. L'œil de la tempête. Deuxième frappe. Il est beau, là, ça. L'ordre Séraphon, tiens. Les hommes lézards. La ruée du ravin sanglant. Un événement. Les peintures, les réaux et les détails ici. Pour les éternels de l'orage. De bonnes techniques. Figurine terminée. Tutoriel de point de victoire. Regardez d'autres figurines terminées. Superbe. Tutoriel de point de victoire. Sigurien de Sigurn, Sigurn pour une bataille. Et le 50-51 qu'on va voir tout de suite. Allez, le 51 avec du décor. Ah, je sais, vous râlez quand je les laisse dans les plastiques, hein, mais là je pense que vous pouvez voir, hein, j'arrive à faire le point comme ça. Il y a de super détails pour ce décor. Donc, comme je dis à chaque fois, tant que je les attaque pas, je les laisse en plastique pour les protéger. Et là, il y a un super décor. Magnifique. Regardez ces ruines. Ruines Sigmarit, éternel de l'orage, chambre d'avant-garde, chevalier, conclave, j'aime beaucoup, Palador, Raptor, Éthervien, Éthervier, pardon, territoire primordiaux, troisième partie, l'âge du chaos, dans le background toujours, hors de gueule, Ogor, le pillard, le clave, les goblards, gelé jusqu'au sang. Superbe. Et enfin, le guide d'assemblage des ruines où il n'y aura pas grand chose à faire, juste de la peinture. Et là, on peut obtenir franchement de superbes, superbes décors. Avec des engrenages et tout, franchement génial. Et charges de bataillon. Charte de bataillon. Excusez-moi, ordre exécutrice. Chasseur de tête. Les masses bourreau 1 et 2. Chasseur de tête. Et royaume, le 51-52, qu'on va voir tout de suite. Le 51, seigneur ordinator. On va bien le voir. Donc c'est une figurine. C'est un héros, donc voilà, 10 euros, ça va toujours. Quoi. Même si ça peut vous paraître cher sur la quantité. Mais... c'est quand même intéressant pour un personnage, surtout si vous l'aimez bien. Le 51, le seigneur ordinator. Batterie Tongrel, le seigneur les castigators. La baliste. Breitheart. Regardez les photos toujours de Warhammer de Provo qui sont somptueuses. Le guide d'assemblage. Et la peinture. La peinture, on commence déjà à maîtriser à ce niveau-là. On est à plus de la moitié de la collection. Le seigneur ordinateur, hein, ça. Charte d'unité, aptitude du seigneur ordinateur, batterie Tongrel. Alors, on est dans le jeu, hein, l'audio ray. Les aptitudes de la batterie. Tenez bon, un scénar. Et après, on a le 52 qui va être des renforts tout simples. Bon, si vous voulez, pourquoi pas. Et le 53 où il y aura deux nouvelles peintures. Avec, j'imagine, une fiche vu que c'est deux numéros de peinture. Le 52, donc ça sera juste pour les renforts. Le 53, je trouve un petit peu moins bien, mais on verra ça au prochain colis. Et voilà donc pour ce nouveau colis du Mortal Realms.
Warhammer Age of Sigmar. Donc, on a évidemment le Premium, qui est super bien. En plus, moi, j'adore tout ce qui est orc et ces guerriers-là. Le 48 avec Ray Connor, qui est une super figurine. Là, je vous conseille vraiment de l'avoir, celui-ci. Le 49, il y a une fiche Malerion et deux pots de peinture. Un petit peu moins bien. Le 50, le super décor, je vous le conseille aussi. Et le 51, avec l'ordinateur, le personnage. Donc ça, également, pour un personnage, ça va encore. Donc voilà pour la présentation de ce colis. Bon, je pense que c'est complet, hein, malgré qu'il était ouvert. Et puis moi, je vous dis donc à bientôt pour le prochain colis. Donc, il sera certainement le 52, 53, 54 et 55. Ciao, ciao à tous. Portez-vous bien. Bye bye.